Salut les amis, on se retrouve sur Minecraft. Donc pour ceux qui veulent mon Snap, mon Instagram et mon serveur Discord, tout est dans la description. Et on se retrouve juste après le générique pour qu'on puisse commencer la vidéo. Bon les amis, donc on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour un nouveau tuto. Comme vous pouvez le voir sur un manège qui est derrière moi. Alors ce manège, bah, c'est simple, il ressemble un peu comme celui-ci, comme ceci, donc le toit est assez haut et l'intérieur est plutôt assez grand et oui je sais, sombre, mais bon, de toute façon vous le verrez par la suite dans le tuto que j'ai fait. Donc j'espère que ce manège va vous plaire et que si vous le souhaitez vous pouvez le reconstruire comme je vais faire un tuto. Donc c'est en soi il est plutôt simple à construire, donc voilà, enfin puis pas extrêmement long non plus, c'est juste le toit qui est assez long mais rien de plus, donc voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve juste après pour commencer le tuto. Re les amis, donc on se retrouve devant le pattern du manège pour la map écurie que je vous ai montré déjà en début de vidéo de à quoi ça ressemble. Donc avant de commencer, je vais vous donner les matériaux que vous aurez besoin. Donc vous aurez besoin de la grès lisse, du sable, des briques, des planches en chêne sombre et des barrières en chêne. Donc je vais vous donner les mesures pour le pattern qui est juste derrière moi. Donc vous prenez votre grès lisse et vous mettez, vous commencez par mettre 20 blocs de grès lisse. Après vous mettez 5 blocs, 4, 3, 2, 2, 3 en diagonale, 2, 2, 3, 4, 5, 20 blocs, ensuite 5, 4, 3, 2, 2, 3 en diagonale, 2, 2, 3, 4, 5, 20 blocs, 5, 4, 3, 2, 2, 3 en diagonale, 2, 2, 3, 4, 5, 20 blocs, et pour finir, 5, 4, 3, 2, 2, 3 en diagonale, 2, 2, 3, 4 et 5. Donc après avoir fait ce pattern là, alors ça sera, vous n'aurez plus besoin de la grès lisse. Vous prenez le sable et vous creusez une seule couche comme ceci et vous mettez le sable à la place. Donc vous mettez tout le sable dans tout le pattern et moi je le fais de mon côté et vous le faites du vôtre. Je vous mettrai une petite image comme d'habitude et on se retrouve juste après. Et oui les amis, donc maintenant après avoir posé vos blocs de sable à l'intérieur du pattern du manège, vous allez prendre vos blocs de briques et alors pour moi ça sera comme je vais faire pour vous montrer, mais vous ce sera n'importe quel côté, tout en sachant que il y aura l'entrée qui sera ouverte. Enfin, qu'il n'y aura pas des murs sur... En fait, il y aura un côté où il y aura des murs et un côté où il n'y aura que des barrières. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, vous mettez 10 blocs sur une ligne de 20 blocs, de blocs de grès. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, voilà, 10 blocs.
Ensuite, vous allez en face, si j'y arrive, vous allez en face ici, et vous mettez 10 blocs aussi, comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, vous mettez un repère. Donc, un repère comme ceci. Enfin, après, c'est comme vous faites comme vous voulez, mais moi je mets un repère. Et après, vous mettez une couche de blocs de briques comme ceci. Voilà. Je vais vous dire encore une chose. Pour que ça fasse plus joli, vous allez faire. Vous allez reprendre vos blocs de gris comme ceci et mettre des blocs comme ceci pour que ça fasse un peu un truc plus joli pour les barrières et puis bah, les murs qui sont de l'autre côté. Comme ça, au lieu de mettre les barrières comme ceci là, vous voyez, ça les rejoint pas. Donc, pour faire plus joli, bah, vous mettez rajouter des blocs. Donc voilà. Donc d'abord, vous pouvez commencer par mettre les blocs de briques. Et après, bah, vous me rajoutez les blocs que je vous ai dit. Donc voilà, voilà. Allez, moi je fais ça de mon côté, vous le faites du vôtre et je vous retrouve juste après. Bon les amis, donc je n'ai pas mis d'image parce que je me suis dit que ça n'était pas nécessaire pour cette partie là. Donc après vous gardez vos blocs de briques. Bien sûr, on a, comme je vous ai fait ce que je vous ai dit, donc vous avez rajouté un bloc pour que ça fasse un peu plus joli. Et surtout pour les barrières. Donc maintenant, vous allez monter vos blocs de briques ici au niveau des repères. De deux blocs, donc 1 et 2, puis pour le reste jusqu'à nos prochains repères là-bas, vous le mettez à la même hauteur et bah, je vous montrerai une petite image de ce que ça donne et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc après avoir monté vos murs de briques comme ceci, vous prenez vos barrières en chaîne et vous allez les poser juste comme ça, enfin voilà, ici, et jusqu'à là-bas, donc pas au mur, vous en mettez pas aux murs qui sont ici, vous en mettez juste ici, donc voilà, et après avoir posé vos barrières, vous allez prendre vos planches de chaîne son, excusez-moi. Et vous allez les poser comme ceci sur les murs. Et après ça, vous allez mettre comme ceci exactement parallèle aux blocs qui sont juste en dessous. Et pour comme ça, on va commencer à faire le toit. Puis je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on va faire. Attendez, je vais faire juste comme ça pour vous montrer un petit peu comment faire. Voilà. Donc le toit, vous prenez pas les escaliers cette fois-ci, mais vous allez faire comme ceci, voilà, et voilà, enfin vous faites le tour du manège comme ça pour faire le toit, et vous montez à la hauteur de votre choix, parce que personnellement, moi je vous le dis, je me suis pas cassé la tête, je fais à la hauteur qui me plaît. Donc vous faites comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire jusqu'en haut, bah vous faites ce que vous souhaitez. Ou si vous voulez faire à peu près du même style comme ceci, bah vous mettez à la hauteur que vous souhaitez, puis vous rebouchez le toit avec vos blocs de chaîne sombre. Et puis voilà, donc je vais vous mettre une image de quoi que ça donne de mon côté. De toute façon, l'image que je vais mettre, ce sera le manège que j'ai fait. Sur la map à part de celle-ci. Donc voilà, donc vous avez déjà vu un petit peu un aperçu de ce que ça donne. Après, niveau éclairage à l'intérieur, parce que comme vous avez pu le voir sur la map qui était à part de celle-ci, il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière à l'intérieur du manège. Donc niveau éclairage, vous faites comme vous souhaitez. Moi je ne sais pas trop comment je vais faire, mais vous, c'est à vous de voir.
Et au niveau des fenêtres ici, donc bah, c'est aussi à votre bon vouloir. Donc voilà. Donc c'est la fin du tuto après l'image que je vais vous mettre. Et puis on se retrouve après. Et voilà les amis, donc on se retrouve devant devant la construction terminée. Donc bon, pour tout vous dire, c'est normal que vous voyez aucune construction aux alentours. C'est parce que je suis retournée sur la map qui était à part, donc j'ai fait déjà la construction de base. Donc celle-ci, il n'y a juste pas le sable à l'intérieur, puis il n'y a pas d'éclairage. Donc voilà, enfin, je vous l'ai dit, donc après vous voyez un petit peu à peu près quelle hauteur j'ai mis le toit. Donc voilà. Donc c'est la fin du tuto, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous sera utile à l'avenir. Donc voilà, j'espère qu'il vous sera utile et qu'il vous plaît. Et éventuellement, comme ça, si vous voulez faire un centre équestre, et voilà, vous avez un peu un type de manège comme ceci. J'en ai plein d'autres types en tête, mais celui-ci, je l'ai trouvé à peu près pas mal à mon goût. Après, dites-moi vos avis dans les commentaires s'il vous a plu ou non. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, et pour ceux que ce n'est pas fait, à vous abonner, à me suivre sur Snap, Instagram et à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description. Et je vous dis à la prochaine en vous faisant plein de bisous!